Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Project Hospital. Cette fois-ci, j'ai pu récupérer le jeu, tout simplement parce que j'ai reçu un message du programmeur en chef et ils ont décidé de me renvoyer un code, une clé Steam pour pouvoir avoir le jeu sur Steam. Pour l'instant, c'est une version d'essai, je pense, mais après j'ai l'impression quand même que ça a l'air d'être... Vous voyez, il y a déjà Workshop et tout, à mon avis ça va vraiment avoir pas mal de nouveautés. Donc aujourd'hui on va essayer vraiment de voir ce qu'ils ont amélioré, parce qu'ils disent bien qu'ils ont amélioré des trucs, et je vais suivre à peu près tous vos conseils un petit peu, tout simplement. Là on sait bon pour parce que vous avez dit construire des salles préfabriquées. Bah alors c'est ce que je vais faire, et dans cette nouvelle saison normalement il y aura normalement des nouveautés, hein, parce que les développeurs ont dû modifier quelques trucs ou améliorer. Donc je vais laisser des espaces et le faire ça 24 par 24. Après je vais mettre les murs. Ok. Je passe avec cette caméra. Et après, vous allez voir ce qu'on va faire. On va aller ici, salle préfabriquée. On va mettre une salle d'attente, qui est pas mal. Juste là. La réception. Pour l'instant, c'est des petits trucs, mais après, pourquoi pas les vendre et acheter une grande réception comme ça, qui est vraiment là, très stylée. C'est vrai qu'elle est vraiment pas mal, hein, celle-là. Ils ont vraiment bien fait leur truc. Mais pour l'instant, on va rester sur des trucs assez petits, tout simplement parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Je vais en mettre un. On est à 7264, ça devrait aller. Si je décide d'en remettre une autre, il restera. C'est au quatrième, ok. Mais je vais pas le faire parce que ça coûterait beaucoup trop cher. Donc on va mettre maintenant des murs. Jusqu'à des murs qui vont faire... 4. Et normalement il y aura assez pour mettre un autre salle pour les docteurs. On va tout refermer. Je vais mettre une porte. Vous allez voir. On va en mettre une. On va laisser la porte de base classique. Et je vais tout simplement dire ce que je veux. Je vais faire ça et je vais dire que ce sera la salle pour ceux qui vont nettoyer l'hôpital, tout simplement. Après je vais appuyer là. Deux, on va employer deux personnes, donc on va mettre deux trucs comme ça. Reste plus qu'après à poser ça. On va le mettre dans le bon sens. Et je vais mettre quand même une poubelle juste là. Voilà. Et là, on a une salle qui est pas mal. On est passé à 6090$. Il va falloir qu'on fasse attention quand même à avoir assez pour employer tout le monde aussi après. Maintenant, je vais aller ici. Et où est-ce que c'est ? Restroom, combien il coûte? 1500, ça va, c'est pas cher. On a les moyens. Ok, donc là on a encore un succès. Donc ça fait plaisir. Vous voyez que c'est bien relié à Steam. Donc ça c'est pas mal. Maintenant on va plus qu'à avoir qu'à employer des personnes. Bien sûr là on peut pas. J'ai eu le problème tout à l'heure. Faut tout simplement mettre la porte, sinon ça ne passera pas. Ils diront que j'ai pas d'accès, et ce qui est vrai. Vous voyez qu'ici, par exemple, sur cette porte, je sais pas s'il y avait les deux bandes. Peut-être, mais je sais pas du tout. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a des trucs qui ont changé. Déjà ça, de base, directement, ça a été changé, ça c'est sûr. Il n'y avait pas ces trucs, tout ça avant. Donc ça montre qu'il y a quand même eu des nouveautés. Donc là, au moins, on avance vraiment vite sur l'épisode, et ça c'est pas mal. Maintenant, on va essayer de construire, tout ça, enfin de recruter le personnel. On va prendre le meilleur. On va mettre elle. On peut accepter des patients, donc ça c'est pas mal. Après, on va employer... Ok, enfin. Donc on va mettre elle. Ah oui, elle a pas de truc réceptionniste. Donc ça va être assez critique. Déjà, je vais employer ça. Alors, voilà. Faudrait qu'on trouve quelqu'un qui soit réceptionniste. 2500. Alors, est-ce qu'on a une réceptionniste? Enfin. Là, on a eu de la chance, on l'a eu. La réceptionniste, ok. Donc là, on va en employer peut-être un autre. Je sais pas si vraiment ça vaut le coup, mais quand même, on peut le faire. On va prendre le meilleur, voilà. Après, on va mettre que ce sera elle, la chef du département. Et on finit à 1990$. Donc il nous reste toujours un petit peu d'argent. Ok, je vais enlever ces notifications. Et on a tout ce qu'il faut pour un hôpital de base. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à voir si des patients arrivent. Donc c'est bon, ils commencent à affluer.
Après, au niveau, on va dire, de tout ce qui récupérer les patients et tout, ça n'a pas changé, je crois. Mais déjà, l'ordinateur, j'ai l'impression que ça change. Alors, voyons voir. Alors, on peut avoir une nouvelle assurance, donc ça, c'est pas mal. On peut construire le StatLab, ouais, qu'on avait fait. Donc ça, c'est pas mal, ça nous fait une nouvelle assurance. Je crois que on les avait eues dans la saison précédente. Mais je sais pas s'ils en ont rajouté plus. Et ouais, j'ai l'impression que rien que neurologie clinique, je suis pas sûr que ça l'ait été. Donc ça, faudra voir. Mais en tout cas, on commence à gagner de l'argent, on le voit juste là. Par contre, c'est vrai qu'il y a déjà deux personnes. Ça fera vraiment très serré, on va dire, pour pouvoir accueillir tout le monde. Je pense que ça passera pas. Donc faudra peut-être construire plusieurs salles d'attente, tout simplement. On est déjà à 2060, donc ça augmente petit à petit, comme vous pouvez le voir. Bon, les clients affluent. Ok. Ouais, ça va déjà être plein dans une place. Donc faudra bien que je construise. Ok, ça je vais l'enlever. Par contre, on a un problème juste là. Regardez. Dans les objets, ça ne va pas, elle n'est pas accessible. Et elle, on va changer. On va faire ça, on va remettre la même couleur. Au moins, même si elle est accessible, au moins ça fait quelque chose de normal, on va dire. Voilà. Au moins, on pourra utiliser aussi ce banc. Ok, il y a déjà pas mal de monde. Je pense qu'on va traiter 10 patients par jour, hein. À mon avis, ça va être fait très bientôt. On a 2310, je sais pas si on a assez pour construire une salle de médecin. C'est ici, salle préfabriquée. Ça coûte 4000, ouais, ok. Donc, faut qu'on ait à peu près le double. Ok, on va y aller. Alors ça, c'est toujours ce qui est très compliqué à faire. Ouh là là. Donc, à mon avis, déjà, c'est tout le temps à la jambe, donc on pourrait mettre des bandages. Ok, c'est pas bon. Et... Ah, si là il dit que c'est bon. Ok. Voyons voir. Est-ce qu'il peut... Il reste encore un truc caché. Faudrait avoir la salle du X-ray pour voir plus de trucs. À mon avis. Bon là par contre c'est vraiment compliqué. Il y a 20% de chance partout. Donc là, très clairement, je vais laisser faire le docteur. De toute façon, il a laissé partir. D'accord. Donc c'est déjà plein. Hein. Très clairement. Ils doivent vraiment attendre. Et ça, ouais. Ça va beaucoup trop vite, les clients. Donc il va falloir racheter des salles. Ouais. Donc on va faire ça. On va aller ici. Je sais pas si on aura assez. Après, si, est-ce que c'est grave vraiment s'ils attendent s'ils attendent debout? Ça, je sais pas. Là, je sais pas du tout. On gagne aussi de l'argent avec le truc des boissons. Ça, c'est pas mal. Ouais, quand c'est ça, hein, je vais pas m'en charger. Parce que de toute façon, on a une chance sur 5 de trouver le bon truc. Donc, peut-être que le médecin aura plus de chance. En tout cas, bon, pas mal. Il y a des personnes qui servent du truc de la boisson. Donc, ça, c'est pas mal. Ça fait une petite source de revenus annexe. Ok, là, tout le monde est assis. En tout cas, ouais, ok, il n'y a pas tout le monde qui a pu être soigné, hein, très clairement. Il manque encore des gens. Je sais pas si on peut passer la nuit comme ils avaient fait pour l'autre, mais j'ai pas l'impression. En tout cas, il reste encore un petit peu de temps. En parlant de ça. Ok. Est-ce qu'elle va quand même partir de l'hôpital? Ouais, elle s'en va. En tout cas, ça y est, là, l'hôpital, il est fermé, tout simplement. Après, je sais pas, ça c'est pas mal d'avoir changé. Au moins, on n'est pas obligé d'avoir un gros parking ici. On peut décider de faire une longue route. Et pourquoi pas faire une petite allée, etc. Des trucs plus stylés. Donc ça, c'est pas mal. Et on peut définir si on veut avoir l'argent illimité et tout. Et ça, c'est pas mal du tout. Parce qu'au moins, si un jour on veut faire des tests et tout, c'est mieux. Et parce qu'on n'a pas tout à faire au début. Mais ça, par contre, un StatLab, ce serait intéressant. Mais j'ai pas encore les moyens. On a encore un 1846.
Mais en tout cas, ouais, je sais pas. Ah, ok, donc ça c'est bon. On a bien le truc. Alors. Ok, donc il a, je crois. Ouais, il a bu, donc il sera pas très performant aujourd'hui. Ça, très clairement, j'ai pas, je crois pas que ça y était avant. Donc peut-être qu'ils ont rajouté des événements imprévus. Ok, donc au moins ça passe très rapidement. J'aimerais bien au moins finir dans cet épisode d'avoir posé le StatLab, ce serait pas mal. Et d'avoir traité les 10 patients. Enfin, la priorité, je pense qu'on est tous d'accord, c'est de construire une autre salle pour engager un nouveau médecin. Parce que là, il est débordé. Même à deux, je pense que ça ce sera compliqué. On peut avoir jusqu'à 200 employés, en tout cas dans l'hôpital, là, ce que je vois. On a même une note. Donc là, on est à 3,5 d'étoiles sur 5. Bon, c'est pas mal. Ok, il va être 6h. Le jour commence à se lever. Ça, c'est vraiment utile, hein, parce que ça évite de tout attendre. Ok, donc là, je crois qu'il va ouvrir. Ok, on a, ils arrivent, les employés. Donc, à mon avis, là, ils sont, tous les employés sont arrivés presque. Donc là, ça reste au tour des patients de venir. Ok, la clinique a ouvert. Ok, donc on a nos premiers patients qui arrivent, tout simplement. Pour l'instant, ça va, on n'est pas débordé. Il y a toujours des places. Rien que sur l'ordi, je sais pas si avant il y avait tout, ça changeait autant de fenêtres et tout. Donc ça, je suis pas sûr. En tout cas, bon, ils font bien leur travail, ça va. Alors, qu'est-ce que c'est? On a plus de chances que ce soit ça. Après, regardez, si quand on aura tout débloqué, on aura beaucoup plus de chances de trouver la bonne maladie. Mais tout ça, on est loin de les avoir en tout cas. Donc, je vais laisser faire le médecin pour l'instant. On a 1916 d'argent. J'espère que ça va monter. Ouais, ça y est, il y a déjà des gens qui attendent debout. Ok. 320, donc ça c'est pas mal, ça fait de grosses sommes d'un coup. Peut-être qu'à force d'être debout, ils vont vouloir utiliser le distributeur. Il nous faudra vraiment un deuxième médecin, parce que là ça commence à être critique, mais vraiment critique. Ce sera impossible de traiter tout le monde aujourd'hui, à mon avis. Mais alors vraiment impossible. Le temps qu'elle fasse tout le monde, sera compliqué. Tout le monde n'a vraiment pas de bon des diagnostics clairs. Donc bon. Tout cas, j'ai hâte qu'elle ait soigné les 10 patients, tout simplement. Après, il y en a, vu qu'on trouve pas le diagnostic, on n'est pas payé. Faut voir. Il va déjà être 17h, vous vous rendez compte? En tout cas, il y a beaucoup trop de monde. Là, j'ai largement trouvé le titre de l'épisode. Franchement, là, ce sera débordé. Regardez le nombre de personnes qui n'ont pas été traitées aujourd'hui. C'est abusé. En tout cas, on va s'arrêter là, à mon avis, pour le deuxième jour. Et peut-être que je vais faire en sorte de passer une ou deux journées pour recommencer à gagner, pour avoir assez d'argent, on va dire. Mais en tout cas, merci beaucoup de m'avoir regardé pour le premier épisode de cette deuxième saison. En tout cas, voyez, on a fait une première série vraiment là où c'était vraiment bêta preview, là vraiment bien avant. Là, on va dire une nouvelle saison alors que le jeu va vraiment sortir très bientôt. Donc pourquoi pas faire une série sur le jeu final à la fin. Mais je verrai si je l'achète. Mais après, s'il me laisse cette version-là, très clairement, c'est comme si j'avais le jeu. En tout cas, ce serait pas mal. En tout cas, faut voir. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. J'espère que ça vous aura plu. J'aurai suivi tous vos conseils. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour tout simplement développer notre hôpital. Allez, c'était Sexer Gaming. Bye bye.
tout le monde.